J'ai dû m'absenter, j'ai peut-être je suis peut-être là, on va. Ouais, je suis live. Bienvenue sur la chaîne Twitch des Brûleurs de Loups avec mon camarade Jean-Sébastien Guiguet à mes côtés pour vous faire vivre une nouvelle soirée e-sport sur la chaîne des Brûleurs de Loups. Ce sont les playoffs de l'ECL qui ont démarré hier, avant-hier pour les Tourangeaux qui, je vous le rappelle, démarrent dans quelques instants eux aussi la troisième et quatrième manche de leur série. Les Tourangeaux sont à égalité contre DuckTales alors que eh bien, les Grenoblois tirent de l'arrière, comme le disent les Québécois, tirent de l'arrière deux défaites à zéro, une rageante et une... que l'on pourra qualifier d'agaçante, rageante la première parce que Grenoble était menée 2-0 avant de revenir au forceps et de s'incliner en prolongation après que notamment Alexandre Lavigne ait eu une échappée dans les mains qui aurait pu faire basculer ce premier tour. Et puis la deuxième agaçante parce qu'on a perdu les Grenoblois, on les a perdus en défensive là où ils sont pourtant réputés être vraiment solides. Alors on va espérer ce soir, j'en sais, que l'on va retrouver les Brûleurs de Loups que l'on connaît avec le visage qu'on leur connaît. C'est d'abord une rigueur défensive. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut impérativement prendre au moins un des deux matchs, sous peine de vacances. On va le dire aussi simplement que ça. Le match 2 d'hier est sans doute à oublier, tant on a été dépassé dans la vitesse, alors que les statistiques grenobloises étaient meilleures que leur première rencontre. Et c'est vrai que ce poteau de la prolongation, on va l'entendre longtemps résonner. Oh oui. Espérons que, bah, que ce longtemps s'arrête ce soir si les Grenoblois venaient à s'imposer. Voilà, on repartirait sur de bonnes bases. Alors le plus important maintenant qu'on a dit tout ça, évidemment, c'est de faire abstraction des choses négatives d'hier. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se larmoyer, de faire les comment dire, je ne sais pas, mais il faut passer à autre chose. Il faut garder le positif, c'est-à-dire ce qu'on a compris de cette équipe finlandaise, pardon, de Whoopipassi. C'est une équipe qui s'est jouée très rapidement avec des ailiers très rapides de part et d'autre d'un centre assez robuste. Il faut faire attention à la première relance et à la deuxième passe parce que ce sont des joueurs finlandais qui sont très forts dans la récupération du palais. On l'a vu, j'en sais, hier. Cette notion de timing va jouer et je serais tenté de dire que bah, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses que de se précipiter, peut-être construire. Ouais, on a vu les Grenoblois en grosse difficulté hein, pour être au même rythme que les Finlandais. Les Finlandais sont dans un rythme élevé, un rythme qu'ils maîtrisent. Les Grenoblois doivent se montrer plus patients, amener le jeu dans leur propre rythme à eux, parce que dans la bataille de la vitesse, je crains qu'ils soient dépassés. Par contre, on les a vus quand même quand c'était placé, quand c'était un petit peu plus ordonné, on va le dire comme ça. Les Grenoblois ont fait jeu égal et ils ont même dominé une partie des échanges, voire la totalité de la prolongation jusqu'à un contre assassin. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, la vitesse ce soir n'est pas la priorité des Grenoblois. Non, la priorité, ça va être de retrouver ce collectif. On a vu les Grenoblois en capacité d'ouvrir des brèches, on a vu les Grenoblois en capacité de jouer placé, mais ce soir, pardon, il va falloir la symbiose de toutes ces considérations, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une défense très rigoureuse. Il va falloir mettre le plus de protection possible devant Mathieu Péan, parce que hier il a été en difficulté, le gardien grenoblois. Et puis surtout, on a envie de dire que devant, il va falloir être en capacité, je le dis souvent, ça peut paraître stupide, mais d'être en capacité de faire feu de tout bois, parce que bah, finalement, cette équipe finlandaise, sans en avoir l'air, mais avec un système défensif, un défensif hybride, une trappe qui n'en a que le nom, parce que finalement, dès qu'on a passé la rouge, on se retrouve pressé par un joueur adverse. Et à ce titre-là, j'ai envie de dire, les Grenoblois, là encore, le timing va être déterminant. Oui, il faut mettre à la cage, bien sûr, il faut mettre à la cage, on le dit toujours, on le dit presque en rigolant, mais un palais à la cage est toujours un palais dangereux. Et on a envie de retrouver les Grenoblois dans leur allant, dans leur solidarité. C'est vraiment ce qui a manqué hier. Oui, on a senti beaucoup de flottement. Après, on va rappeler quand même que dans le premier match, on a été cueillis à froid, même glacé, parce qu'en deux,
deux minutes, les Finlandais avaient ouvert le score deux fois en plus. Même si les Grenoblois ont su répondre immédiatement après le deuxième but, on a couru après le score. On n'est pas passé loin non plus de s'incliner en période, en temps normal, j'allais dire. On a égalisé à 5 secondes de la fin du match. On a tout donné dans la prolongation et peut-être un petit peu trop parce que dans le deuxième, on a été dépassé dans tous les secteurs. La clé du match, ça va être vraiment la défensive grenobloise, surtout sur le début du match. Vraiment montrer aux Finlandais que ce qui s'est passé hier ne se repassera pas. Ouais. Devant, les Grenoblois savent faire, même si il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions de briller devant. Alors, il y a une autre notion sur laquelle on n'a pas encore beaucoup insisté, mais qui est absolument capitale en play-off. Et lorsque j'ai eu la chance et l'honneur d'être sur le banc, virtuel certes, mais de plusieurs équipes e-sport, c'était mon leitmotiv, c'est la lucidité. Parce qu'en fait, ce dont on s'est aperçu hier, j'en sais, c'est que les Grenoblois se sont perdus, et à partir du moment où ils se sont perdus, on patine après le palais, on n'est pas à la bonne place, on se jette en défensive alors que tout le monde sait, même ces joueurs-là en premier lieu, savent qu'on ne se jette pas. La lucidité, elle est capitale parce que on continue de diriger le cerveau, on continue de respirer calmement, on prend les événements les uns après les autres, et ça, dans le hockey traditionnel, dans le e-sport, dans le hockey, mais dans toutes les compétitions, j'en sais, la lucidité, c'est ce qui fait la différence entre une grande équipe et une bonne équipe. Ouais, le geste juste, il arrive par deux raisons, hein. La classe technique, ça c'est une certitude, mais aussi par effectivement la clairvoyance, l'anticipation et l'esprit, on reste calme. Les grands joueurs ont la technique comme une ribambelle d'autres joueurs, mais ils font la différence sur le bon choix au bon moment. Et comme tu le disais, si le cerveau n'est pas irrigué, on ne fait pas le bon choix. Voilà, on a la petite seconde de retard où on a l'œil qui ne va pas à gauche au moment où il faut. Donc les Grenoblois hier se sont un moment mis à courir après le palais. Et à force de trop courir, et on a la tête qui tourne. On sait quand même que on a quand même des certitudes sur les Grenoblois avec, je te laisserai annoncer la compo, avec une équipe qui me paraît solide, qui l'était avant, qui l'est toujours. On va pas tout jeter non plus. Parce que hier, parce que de toute façon, il faut aussi être juste de notre côté. J'en sais, il est hors de question de jeter la pierre à l'équipe de Grenoble. Les Grenoblois, hier, ont fait de leur mieux. Ils sont, comme l'a dit Mathieu Péan, on est tombé contre meilleur que nous. Et ça, c'est aussi de l'intelligence que de le souligner. Les Finlandais, hier, ils ont été bons, ils ont été rapides, mais ils ont aussi pris ce qu'on leur a donné. Donc, à ce compte-là, c'est ce soir qu'on a besoin de retrouver les Grenoblois, parce que je le rappelle, sans crier feu au lac, si Grenoble perd les deux matchs de ce soir, la saison est terminée. Alors on a tous envie que ça se passe autrement, les supporters de Grenoble, les gens de la communauté, tout le monde. On a vraiment tous envie que ça se passe autrement. C'est pour ça qu'il faut garder le meilleur de ce qui s'est passé hier, l'analyser avec calme, avec sérénité. Adapter le jeu, quelqu'un a demandé est-ce que les Grenoblois ont fait de la vidéo. Oui, les Grenoblois ont revu les matchs d'hier et je suis certain qu'à partir de là, les analyses sont faites et les constats sont tirés. Donc on va évidemment observer tout ceci avec beaucoup d'attention. Par contre, attendez, parce que j'ai personne pour le partage, du coup, je vais aux infos. On va aussi rappeler que peu importe le résultat du premier match, même si c'est une défaite, il faudra aller chercher parce que c'est le premier à 4 matchs remportés. On peut être mené 3-0 et s'en sortir, donc il faudra pas lâcher les choses. Les Grenoblois qui, après le match hier, montraient une certaine motivation encore, hein. Il faut pas, ils savaient que ça allait être compliqué, ça l'est, ils sont pas surpris. Maintenant, il va falloir cravacher. Moi c'est mieux parce que le jeu se lance, mais je ne veux pas jouer, je veux juste regarder. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon partageur. Allez, Grenoble qui va tout donner, on en est sûr, pour ces deux matchs de la soirée.
Alors là, justement, tactique, vous l'avez sous les yeux, hein, Adrien Franklin à gauche, Maximilien Tromer retrouve le centre, Thomas Cronier reste à sur son aile droite. La défensive à droite, elle sera assurée par Raphaël Merle, alors que l'arrière-gauche, c'est Julien Pelletier qui revient dans l'alignement. Mathieu Péan, Trollstivegen est donc dans les buts, évidemment. La clé, les garçons, c'est aussi les débuts de match. On a vu, j'en sais, depuis 3 soirs de suite que Grenoble est mené très tôt dans la rencontre. Et ça, c'est une chose qui doit être corrigée. Ouais, c'est vrai que les Grenoblois ont pris cette mauvaise habitude hein, de se voir mener au score et donc bah, de se mettre quand même une petite pression. Et c'est vrai que quand on revient à égalité, comme ça a été le cas dans le premier match, à 5 secondes de la fin, on peut imaginer la tension. Et même si on a joué la prolongation entièrement et de belle manière, je pense que la fin du match, on a un peu évacué tout ce stress. Il y a 2 matchs à faire, hein. C'est long, c'est très prenant, donc mener, c'est toujours mieux. Oui. Attention par contre jusqu'au bout à cette équipe finlandaise où on l'a vu, hein, la ligne avant c'est très rapide et surtout ça joue vraiment en se projetant le plus vite possible. Oui, donc oui. Attention à Mais tous les instants. On peut peut-être rentrer dans les indiscrétions sportives. J'en sais, hier on a débriefé un peu avec le capitaine grenoblois Thomas Cronier. Et j'ai fait une remarque que j'ai vérifiée parce que je suis allé revoir les matchs. Cette équipe finlandaise est d'une roublardise, les amis. Je ne vous dis que ça parce qu'en fait, leur système défensif étant ce qu'il est, il force l'adversaire à jouer ses sorties de zone très rapidement. La problématique, c'est qu'ils ont 2 ailiers très rapides de part et d'autre de la glace. Et à ce compte-là, ils sont en capacité assez régulièrement de récupérer un palais rapide pour le redonner. Et en fait, si vous m'avez bien suivi, ils sont capables de contrer le contre. Et ça, c'est fatal. Quand vous avez une équipe qui va vite en face de vous, que vous allez dans un sens de la patinoire en disant « on va les prendre de vitesse », mais que finalement, par l'intermédiaire d'un palais récupéré, ce sont eux qui vous prennent de vitesse, c'est un calvaire parce qu'on ne sait plus où se placer. J'en reviens à la lucidité. C'est une chose dont les Grenoblois sont conscients, parce qu'on en a parlé hier soir avec Thomas Cronier, parce que j'ai également discuté avec Maximilien Tromer et qu'on a fait ce constat tous ensemble. Donc maintenant, les Grenoblois sont avertis. Je pense qu'on va peut-être les voir jouer moins vite leur sortie de zone, quitte à laisser l'adversaire se replacer. On va peut-être voir ce soir plus de dump and chase. Par contre, c'est clair, j'en sais, il faudra avoir des yeux dans le dos, parce que les joueurs finlandais, ils vont certainement pas oublier d'aller couper derrière les défenseurs pour faire des appels. Ouais, ça va être exigeant hein, et on note hein, le retour de Tromer qui va devoir aussi hein, se coltiner un énorme travail défensif et c'est vraiment la pièce angulaire de la stratégie ce soir parce que ce centre grenoblois, on a besoin de lui devant le slot adverse pour aller faire des déviations, pour aller mettre la pression et on a aussi besoin de lui devant notre propre slot parce que c'est le premier défenseur, c'est lui qui doit couper les passes. Donc c'est vraiment exigeant pour lui ce soir. Tous les joueurs supporters, admirateurs de hockey qui connaissent un peu quelques bribes tactiques savent que le centre, c'est le premier défenseur d'une équipe. Alors j'ai toujours dit, on a le droit d'attaquer, on a le devoir de défendre, mais le centre est le premier du système défensif parce que c'est lui qui va être la clé de voûte d'une défense. Et à ce titre-là, on va voir la porte de Maximilien Tromer, donc replacée au centre avec Julien Pelletier. C'est difficile aussi pour Pelletier de rentrer dans une série où l'équipe est menée 2-0, surtout sur un poste défensif. Donc on va souhaiter courage aux Grenoblois et que le meilleur l'emporte. Tromer au face-off qui le concède, mais finalement Cronier parvient à récupérer une rondelle, le lancer, le premier lancer Grenoblois après quelques secondes de jeu. Il est signé de Grenoble. On met à la cage là Raphaël Merle qui rend un palais. Se replacer les garçons sans se jeter, ça c'est important. Et les Grenoblois en phase défensive. Ouais, les Grenoblois, attention à ce premier palais et premier but. On est dans le même cas de figure qu'hier. Premier tir, premier but. Beaucoup de mal, hein. Beaucoup de mal pour les Grenoblois. Ces entames de match dans cette phase finale avec encore beaucoup de réussite. Mais les Grenoblois menaient au bout de 1 minute 30. De jeu à peine, mais je pense que là on va sans doute arriver à mieux gérer que qu'hier parce qu'on a malheureusement pris un petit peu l'habitude, il y a moins de surprises. Oui, allez, Cronier qui est rentré dans la zone, Merle qui se fait
attaqué, mais c'est récupéré par Franklin qui va prendre un lancer. Cronier maintenant, le capitaine grenoblois dans l'enclave, il avait cherché Franklin, mais c'est récupéré par les Finlandais. Ouais, c'était bien joué, là, les grenoblois qui tout de suite montrent le bout de leur nez à l'attaque. Attention, deuxième poteau, il y avait la cage grande ouverte, mais on peut repartir avec Franklin devant. Il va venir fixer, il n'y a pas d'ouverture, il fait le tour. Ah, dommage, c'était bien tenté là aussi, les grenoblois qui se montrent dangereux. C'est plutôt une bonne chose en ce début de match, même si l'ouverture de score a déjà été concédée. Malheureusement, effectivement, dégagement interdit à venir. Il y a toujours 0-0 entre Tours et DuckTales dans la troisième manche où les deux équipes sont à égalité un partout. Et là, vous nous rejoignez, vous voyez donc le score au désavantage de Grenoble. Mais le temps joue pour nous, enfin le temps, pas vraiment, mais en tout cas il y a largement de quoi revenir dans ce match avec ce palais là par contre, attention, qui est perdu et qui est récupéré finalement par les Grenoblois avec Maximilien Trommer. Et on va essayer de jouer sur l'ailier gauche et les Grenoblois qui perdent en entrée de zone offensive le palais. On est un petit peu plus haut, je ne sais pas ce que tu en penses Yann, mais on est un petit peu plus haut du côté des Grenoblois et du coup on coupe cette longue passe là qui a fait très mal aux Grenoblois. Pour l'instant ça fonctionne et on va essayer maintenant de construire offensivement. Allez, Franklin avec Merle qui temporise, qui trouve la passe dans la crosse de Franklin qui va envoyer au fond. Trommer est là, Trommer qui récupère, qui temporise à nouveau. Malheureusement le palais est rapidement perdu et les Finlandais partent à l'attaque. Ouais, on est déjà devant la cage de Péan, attention ce palais qui flotte au milieu de tout le monde, qui va être récupéré par les Grenoblois. On va essayer de trouver, c'était bien joué, malheureusement on n'a pas réussi à compléter la passe. Grenoble qui se remet immédiatement en défense, les Finlandais qui s'embarrassent pas pour rentrer dans la zone offensive. On essaye d'aller pratiquement tout droit et on fait les passes dès qu'on a passé la bleue, histoire de bouger un petit peu cette défense grenobloise qui pour l'instant nous paraît en grosse difficulté encore une fois. Bien joué Julien Pelletier, belle intervention en défensive de l'arrière gauche grenoblois qui s'était retrouvé seul face à deux joueurs finlandais. Il a eu le geste précis pouvant suppléer son gardien de but. Allez, Grenoble qui doit s'appliquer, voilà, c'est fait. Allez, ça peut partir de là. Grenoble, on le sait, ils ont, c'est très beau, cette faculté quand même à se projeter collectivement vers l'avant, ce qui leur a plutôt bien. Qui a plutôt bien fonctionné dans les derniers matchs de la saison régulière. Il faut continuer, attention quand même à cette place. Pour l'instant, le repli grenoblois est plutôt bon. Maintenant, reste à aller plus devant pour mettre le danger devant la cage de notre ami gardien de but. Quelle passe, mon Dieu, quelle passe, quel arrêt de Mathieu Péan. Il s'était fait oublier là le joueur finlandais, mais le gardien de but grenoblois a une fois de plus livré le colis. Et on aura un dégagement interdit. Alors que DuckTales a ouvert la marque contre Tours au début de la deuxième période et que donc les Tourangeaux sont menés 1-0, virtuellement donc menés 2 victoires à 1. Enfin, il y a encore largement le temps pour les joueurs de Tours, les Remparts. But. Oh là là. Ouais. Bon, bah, au moins, si on peut prendre le bon côté des choses, c'est que on n'est pas surpris. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir vu le match déjà d'hier. Ouais. 2-0, bon, 3 fois 2-0, les Finlandais ont mené 3 fois sur cette marque dans cette série jusqu'à présent, donc jusque là on n'est pas trop surpris. Maintenant il va falloir peut-être prendre des risques, je sais pas, je vous avoue que je sais pas sur quel pied danser, parce que entre prendre des risques pour être mené 3-0, se retrouver au pied du mur et ne pas en prendre, puis dire qu'on aurait eu des regrets après tout, je t'avoue, j'en sais que j'en perds mon latin. Ouais, c'est pas simple parce que on se rappelle quand même qu'hier lors du premier match on a réduit le score pardon immédiatement après le but et pour l'instant on a du mal à être devant la cage du portier finlandais. Il est impératif en tout cas de plus prendre de but dans ce tiers, même s'il reste 35 secondes et dans ce match ce serait bien. Si défensivement on arrive à les museler, offensivement on a le temps, les Grenoblois notamment par Merle et Pelletier peuvent amener le danger et encore une fois maintenant il s'agit vraiment de bien se parler aussi, de bien coulisser et de pas les laisser partir comme c'est le cas actuellement. Ouais. Mais ce qui m'inquiète, j'en sais, c'est que ces Finlandais ont l'air faciles offensivement. Ils ne font pas de choses compliquées. Il n'y a pas 35 passes, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de à toi, à moi, à toi. On rush, on fixe, on cherche une solution, on prend un shoot.
C'est le béaba, c'est le basique de le basique le plus absolu du hockey. Et le pire de tout ça, c'est que ça fonctionne. C'est un non-sens parce qu'en ECL, il faut en principe beaucoup plus que ça. Donc, à ce titre-là, effectivement, il faut se creuser la tête parce que on a une statistique assez effrayante, c'est 2 tirs de but, effectivement, je viens de le voir aussi. Un seul tir du côté de Grenoble. Il faut clairement, les amis, se porter à la hauteur de l'enjeu. Parce que si on en reste là, j'ai peur que dans 2 heures, on ait beaucoup, beaucoup de regrets. Et je pense que ces regrets seront absolument justifiés. Allez, mon Adri. Allez, mon bonhomme. Oh, il y aura un pénalty. Il y aura un pénalty. Le gardien finlandais est un gardien qui avance. Je ne serais pas surpris, comme il l'a fait hier, qu'il vienne se porter au devant de l'attaquant grenoblois qui là va devoir être malin dans son approche du but. Il est très très avancé, le gardien, il va sortir. Allez, voilà. C'est bien. Il a retenu, ça c'est très bien. C'est très très bien ce qu'a fait Franklin qui réduit la marque. Il s'est livré beaucoup trop tôt, le gardien de but finlandais. Les Grenoblois et Adrien Franklin ont observé, ont débriefé ce qui s'est passé hier. Et ce but, c'est un travail intelligent parce que là, le gardien a été un petit peu naïf. Ouais, il a voulu refaire la même, ça aurait pu marcher. Hein. Rappelons que Franklin n'était pas là hier. Peltier qui n'était pas là hier. Oui, pardon, c'est pas la bonne fiche que j'ai devant moi, c'est magnifique. Et les Grenoblois qui par contre vont maintenant devoir faire un truc très simple, Yann, c'est se calmer un petit peu et ce que j'allais dire derrière et profiter des supériorités parce que hier malheureusement on va le rappeler une dernière fois pour arrêter de se faire du mal, mais le match en prolongation se termine sur une supériorité grenobloise. Oui, et ça a été dur aussi à avaler. Allez les garçons, le palais est concédé, il y a un joueur de... Quelle réussite. Une belle intervention. Par contre, malheureusement, il y a une faute. Allez, il faut. C'est normal qu'il y aille, Merlin. C'est normal qu'il y aille parce que le but est un peu ouvert. Il vient pour aider son gardien de but, donc c'est complètement normal que Raphaël Merlin aille à l'intervention. Malheureusement, il est sanctionné. Attention à ce palais, bien récupéré par Cronier. Voilà Peltier maintenant. Juju Peltier qui est pressé. Et on va redescendre, voilà, très bien joué. Franklin qui est dépossédé de la rondelle. Il y aura un dégagement interdit. Appelé contre les Finlandais, on joue depuis une période et 3 minutes. Et le score est à l'avantage des Finlandais, 2 buts à 1. Franklin vient il y a quelques instants de réduire la marque sur un tir de pénalité. Joué avec brio et beaucoup de lucidité pour le coup. Et les deux équipes sont à égalité numérique, 4 contre 4. Allez mon Adri. Oh, l'arrêt du gardien, magnifique intervention du gardien de but. Il avait fait pourtant le geste qu'il fallait. Allez, encore. Franklin, les opportunités sont là, les amis. Les opportunités sont là. Il va falloir les capitaliser, bien sûr, rapidement, mais ne pas se précipiter. Gardez la tête froide. Allez, mon Tom. Allez, on va essayer de couper cette ligne-là, ne pas leur donner de position de shoot, surtout. Là, ça va être... Encore une fois, un rebond gagné par les Grenoblois dans leur cage, devant leur cage. Malheureusement, ça passe pas cette petite passe. Attention, parce que les Grenoblois vont être obligés de se reconcentrer sur la zone arrière. Voilà qui est fait. Il y a de la qualité derrière hein, à Grenoble, on n'en doute pas. Et ça permet là de se présenter devant le gardien du revers. Voilà. Oh, je peux pas crier, c'est bien dommage. Très très beau jeu des Grenoblois. Le bon geste de Cronier qui donne dans le timing, dans le tempo, dans le tape comme on dit, la passe pour Trommer. Lequel Trommer garde la tête froide, laisse le gardien se déplacer, laisse le gardien encore une fois se livrer et qui vient compter le deuxième but des Grenoblois qui reviennent dans ce match. On a aussi dit hier avec les garçons quand on a discuté, si cette équipe a une faiblesse, elle est peut-être dans leur but. Ça peut paraître très injurieux de dire ça, mais le gardien, il est trop prompt à se livrer. Et là, il a été coupable sur les 2 buts que son équipe, encaisse. Donc, en bougeant trop vite, il a clairement ouvert la porte des Grenoblois. Il faudra s'en souvenir. Ouais, et puis on va aussi se souvenir qu'hier aussi, on a concédé un pénalty hein, du côté des Finlandais. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Hein, passant très au centre de cette défense, il n'hésite pas à accrocher. Ça pourra toujours permettre aux Grenoblois de se retrouver devant le gardien. Attention quand même là au déboulé finlandais. Le centre en retrait, l'arrêt de Péan.
Important cet arrêt, ce qui permet de rester à 2-2 et qui offre une contre-attaque au Grenoblois. On a oublié le palais. Heureusement là, c'est dommage. Allez les garçons, vous avez fait ce qu'il fallait les garçons, vous avez fait ce qu'il fallait, vous les avez remis un peu, vous leur avez un petit peu remis les points sur les i. On est à 2-2 à l'approche de la moitié du match. Allez, ça passe pas, c'est dommage, c'était bien joué là de la part des Grenoblois, on s'était extirpé le long de la balustrade, on va pouvoir rentrer, il n'y a pas de hors-jeu, allez peut-être le centre, peut-être tout seul sinon... C'est dommage, c'était bien joué, allez replacez-vous les garçons, maintenant on ferme la boutique, c'est terminé, le temps des Finlandais est fini, comme le disait Herb Brooks, this is your time. Attention parce que là on est déjà en position, ça va très vite hein, du côté des deux ailiers finlandais, on fixe et on passe, ou on fixe et on tire, on ne garde pas trop le palais, encore une fois Péan qui va être appelé à s'exercer. On est revenu à 2-2 et cette fois-ci on n'a pas attendu les 5 dernières secondes du match. Et, ça m'arrange. Ça nous arrange et du coup c'est un nouveau match hein, qui va se dérouler. C'est la première fois qu'on est à égalité au milieu de la deuxième période. Alors que les tours en jeu sont... Parfait. Ce sont des gestes, des signes qui me plaisent, les amis. Ma grande habituelle observation de ces petits gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui ont du sens. Le Finlandais, il avait la cage grande ouverte, il a tiré sur le poteau. Il faut y aller, il faut se décider, voilà. Faut communiquer. Pour l'instant, les Grenoblois qui résistent bien en défense, même si encore une fois Péan est obligé de s'employer. Ouais. Mathieu Péan impeccable sur sa ligne. Allez, Raphaël Merle qui temporise, qui conserve le contrôle du palais. Prends ton shoot, mon bonhomme. Voilà. Belle arrêt, beau tir, belle arrêt. Ouais, beau tir, belle arrêt. Les Tourangeaux sont menés 4-1 maintenant par DuckTales. Coup dur pour eux parce qu'ils étaient revenus 3-1. Et sur l'engagement, sur l'action suivante, ils prennent le quatrième. Difficile pour les Tourangeaux, mais ils ont encore du temps et de la ressource. Les Grenoblois qui concèdent un face-off. Mizier, la rondelle est récupérée par. Maximilien Trommer, le centre grenoblois qui tente d'envoyer vers Cronier. Attention, les Finlandais qui arrivent en surnombre. Compliqué à prendre la décision hein, du dernier défenseur. Il a bien été couvert par son gardien. On est de nouveau devant le slot adverse. Le centre, ça va pouvoir avoir une deuxième vie, cette opportunité grenobloise. Malheureusement, on a eu du mal à se retourner. Grenoble qui va essayer de refermer la porte. Il va passer juste à côté. Oh mon dieu, bien joué. Juju Pelletier a manqué sa relance. Allez, on continue. Allez, va au vestiaire, mon garçon. Une seconde. Bon, c'est exactement mieux. Ce que j'allais dire. Bon. Donc on est un peu moins inquiet qu'hier, mais on voit quand même que c'est une série qui est vraiment accrochée. Alors elle est ouverte ou elle est fermée, hein, ça dépend comment on analyse ça, mais c'est une série qui est vraiment, vraiment accrochée. Ce sont les playoffs. On a deux équipes de très bon niveau qui s'opposent et qui se répondent coup pour coup. Les Finlandais ont mené 2-0 comme hier, et deux fois hier. Et il aurait pu se faire siffler là. J'y avais pensé, mais... Sur le penalty, Franklin, il est limite de se faire siffler pour avoir arrêté sa course et celle du palais. Ça aurait été encore une autre histoire, ça, mais enfin bon. Écoutez, on s'en fiche, on passe à autre chose. Mais les deux équipes véritablement se rendent coup pour coup avec encore une fois hein, 12 lancés au total des deux équipes. C'est très peu. Ouais, c'est très peu. 5 hein, dans ce tiers pour. Pour les Finlandais et Grenoble qui en a fait 4 je crois, hein, il y en avait 1 à la fin du premier tiers. Ça fait pas beaucoup, mais malgré tout c'est un match où on voit beaucoup d'occasions, donc assez trompeur hein, cette stat. Maintenant l'équation est simple, hein, le premier qui marque prend vraiment une opportunité sur cette rencontre. On va continuer du côté de Grenoble parce que on leur pose quand même pas mal de problèmes et comme tout bon attaquant en face, si Péan continue à faire autant d'arrêts, ça peut aussi à un moment les agacer. Oui. Donc continuons à bien défendre et puis devant on a les mains qui peuvent vraiment faire le reste. Alors, c'est dommage. Tour revient à hauteur 4-2, enfin à hauteur.
On revient à vue, on va dire 4 à 2 pour DuckTales dans le troisième match de la série, alors qu'ici les deux équipes, Grenoble et Tours, sont à égalité de buts partout. Face-off remporté par les Finlandais. Allez, c'est Youpi plus Passy hein, qui est en face de Grenoble. Tours, ce sera pour le tour d'après. Attention, les deux Grenoblois là qui se gênent, mais on va pouvoir malheureusement pas sortir le palais proprement. Voilà, bon retour à la Cronier qui peut lancer. Ah, dommage, c'était bien vu. Les Grenoblois qui essayent de se projeter bien vite aussi hein, entre les deux derniers défenseurs. Ça peut fonctionner. Oui, tout à fait. Allez, face-off à la bleue défensive. Trommer face à son vis-à-vis. Maximilien Trommer qui concède ce face-off. Il vient se replacer en défense. Attention, pas tous sur le même défenseur. Grenoble qui perd le palais. On est derrière la cage du gardien grenoblois. On va pouvoir repartir. Il y a même un 3 contre 2 à jouer. Alors, on temporise un peu trop. C'est compliqué. Ça ne s'est pas ouvert pour le centre grenoblois. Il y a un hors-jeu. Grenoble qui a les opportunités. Maintenant, il faut juste monter. Allez, encore un petit cran. Il faut effectivement. Ouais. Une olive, 5 litres. Ah, dans les temps qui courent, tu pourrais monter une entreprise. attention à pas trop naviguer tous ensemble là, entre Merle et Trommer. Il faut se parler en défense et là on a une belle opportunité peut-être si on. Oh, c'était parfait. C'était absolument parfait, mais le défenseur est là au bon endroit, au bon moment. Elle mise en échec. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Les Grenoblois qui sont vifs hein, sur le porteur du palais. S'économise pas en défense du côté de Grenoble et du coup on récupère le palais, malheureusement pas pour longtemps. Attention, on se tourne sur le palais encore. À nouveau. Allez les garçons, 12 minutes. Si vous pouviez avoir la courtoisie de ne pas nous emmener encore en prolongation, ce serait sympa. Allez, prendre son temps, regarder, se remettre dans le sens du jeu pour bien voir par quel côté on peut sortir de sa zone. Voilà qui est fait, Grenoble qui va le récupérer, se palais avec au centre peut-être. Oh dommage, ça va fuir l'ailier grenoblois, mais on peut conserver le palais en changeant d'aile. Trommer qui conserve le contrôle de la rondelle derrière la cage adverse. Vous voyez la vitesse à laquelle les et du coup, on a adversaires arrière. Sont partis. Heureusement qu'il a un peu croqué là, notre camarade finlandais, parce qu'il avait son copain qui était de l'autre côté. Croquer, ouais. c'est un terme technique. quand on oublie de faire la passe au copain, on est un croqueur, une croquette, une croque. Voilà, croque le palais. Et là, pour le coup, il a un peu oublié la passe, le joueur finlandais, mais on ne lui en voudra absolument pas. On a bien récupéré, voilà, on va se remettre un petit peu dans le sens de la marche, on va aller passer la ligne médiane. Ah, cette passe là qui n'arrive pas et ça va permettre aux Finlandais de se présenter devant Péan. Une faute à suivre et attention, le palais. Bravo Mathieu Péan qui s'interpose avec brio devant cette tentative de déviation. Bon, et ben là, comme tu l'as dit hier, c'est. C'est pas un tournant du match, ça y ressemble drôlement. Ça commence à y ressembler, effectivement. Les Tourangeaux s'inclinent 5-2 dans le troisième match de la série et se trouvent donc désormais menés 2 victoires à 1 par DuckTales. Le quatrième match de cette série est à suivre dans quelques instants. Allez, sur le temps mort là, demandé par les Grenoblois, sans doute on va revoir un petit peu les placements. Important. Allez. Important cette infériorité grenobloise. Allez, résister le plus longtemps possible et jusqu'au bout si possible avec le premier arrêt. Cette intervention de Mathieu Péan. Attention, ne pas trop s'enfuir sur le porteur. On va faire le tour. Oulala, ça passe à côté. On est vraiment pas loin là du troisième but finlandais. On est pas loin, mais on est à côté donc tout va bien. Péan est sur la case, sur la rondelle, mais Trommer qui va gagner quelques petites secondes avant d'envoyer là-bas au fond. Ouais, c'est bien joué parce qu'on a gratté 10 petites secondes de bonus gratos. Attention, il va aller porter derrière la cage. Voilà qui est fait. Les Grenoblois qui se remettent en défense. On fait tourner la défense grenobloise avant de trouver une opportunité de passe et ou de couper devant le gardien.
Pénalité est terminée. Allez, l'interception est de Franklin, mais malheureusement, les Finlandais, immédiatement, une fois encore, récupèrent cette rondelle. Je suis intéressé de voir les statistiques de palais interceptés de part et d'autre, parce qu'il y en a une palanquée dans l'entrejeu entre les deux lignes bleues, là. C'est quelque chose d'... Franklin, il est à 1 mm de récupérer ce palais. Allez, malheureusement... Le golden goal là. Hein. Bon bah là, on est déjà en prolongation, hein, à moins d'un coup du sort, la prochaine équipe qui va marquer va remporter cette rencontre. Pas de solution. Allez. Raphaël Merle, ils viennent très bas les Finlandais. Voilà, il est trouvé, mais malheureusement, Kronik qui ne peut pas contrôler ce palais. Ne pas laisser d'opportunité offensive aux adversaires et s'en procurer une. Elle sera pour Grenoble. Allez, mon premier. Peut-être Merle, et attention, on est tout de suite devant la cage de Péan. Garde le palier, on va le remettre à l'arrière et Péan qui... Parfait, Mathieu Péan, 22 secondes à faire dans cette rencontre, dans le temps réglementaire de cette rencontre. Il va déjà falloir sortir ce face-off, clairement. Maximilien Trommer, un gros palais dans les mains, il le concède, mais Crony immédiatement peut s'en saisir. Adrien Franklin va aller patiner au-devant du palais, mais on appellera un dégagement interdit. Malheureusement. Ouais, allez, de retour au même endroit qu'il y a 6 secondes. Important, c'est palais, Trommer qui s'incline, mais Péan. Quel arrêt de Mathieu Péan. Bien, si le Finlandais tire côté opposé, c'est ficelle. Hein. Mais il n'a pas tiré côté opposé. Mais non, parce qu'il l'aurait vu, Péan. Oui, c'est bien. Tout à fait. Il a d'ailleurs vu qu'il n'avait pas tiré côté opposé. Du coup, il s'est pas fait avoir. C'est gros notre dos. Attention, les palais qui traînent, il reste 8 secondes, pas maintenant. Allez, un tir, 4 une. Secondes. Il y en aura une, il n'y en aura pas deux. On va aller en overtime. Bon, et bah écoute. Ouais, bah écoutez, au regard des 10 premières minutes du match, j'ai envie de dire qu'on revient de l'enfer. Mais le plus important est là, maintenant on va devoir jouer une nouvelle prolongation, les amis. Grenoble a quand même globalement, en termes territorial, en termes des lancers et surtout au terme des mises au jeu, Grenoble a quand même été dominé. Mais finalement, sur la glace, ça ne s'est pas tant vu. Enfin, je suis surpris parce qu'il ne crédite pas Grenoble de tir dans ce troisième tiers. Non, aucun. Ouais. Non, pas aucun. Ça change rien au final. Je suis bien sûr. Allez, comme hier, avec 10 cm plutôt à gauche qu'à droite sur le poteau, et le Grenoblois qui pourrait revenir à deux manches à une, mais l'important là c'est d'inscrire le but. Hein. Allez, tout de suite les Grenoblois dans le camp finlandais, mais une perte de palais rapide et la contre-attaque finlandaise. C'est pas fini cette attaque. Oh, quel arrêt de Mathieu Péan, impressionnant. Allez, bonhomme, allez mon petit. Thomas Cronier qui est passé une première fois, qui donne pour Trommer. Derrière, allez, Juju Pelletier, mets à la cage mon pote. Ah, c'est dommage, c'est dans la crosse du gardien, dans la mitaine du gardien, pardon. Et c'est bien, on le sollicite. On est devant lui aussi pour lui montrer que le rebond, il y aura du monde. Maintenant, on prend l'engagement et on refait la même. Ah, dommage. Merle, le premier sur cette rondelle. Allez, on va aller chercher Pelletier qui cherche une passe, mais il était pris un peu. Attention, on va le mettre à la voilà, c'est bien joué, les Grenoblois qui se sont bien refermés sur l'attaquant. On va perdre malheureusement le palais. Là, ça va être un cage à cage. Attention à ne pas être hors jeu. Et on va se présenter devant le gardien, remettre en arrière. Avec Franklin, Merle maintenant, qui malheureusement sort de la zone défensive. Oui, El Salonio, tour s'est incliné dans le premier match. Anjou se sont inclinés 5-2. Allez, bonhomme. Allez, on continue à mettre un gros pressing hein, sur les attaquants finlandais. On les laisse le plus loin possible de la cage de Péan, et quand il y a un tir, pour l'instant Péan est irréprochable. Grenoble qui peine à passer cette ligne bleue et qui envoie dans le fond de la patinoire. Oui, c'est récupéré, on change d'aile avec ces joueurs rapides qui jouent dans l'axe. Allez, bon bonhomme, allez.
Adrien Franklin, il va avoir le soutien de Trommer, il va freiner comme il sait bien le faire. Ah, malheureusement, son changement de direction n'a pas pu fonctionner cette fois-ci. Pourtant, c'est une phase de jeu qu'il affectionne et qu'il maîtrise particulièrement. Palais qui va glisser être... jusqu'au gardien finlandais. Allez, on a déjà joué quasiment 10 minutes hein, dans cette prolongation. Les Grenoblois qui se sont montrés dangereux au tout début et qui doivent continuer avec là, pourquoi pas, Cronier, un bon capitaine qui emmène les siens devant la cage adverse, qui va même s'essayer, le rebond laissé, mais Merle qui est là. Et malheureusement, on vient couper la passe de Merle. Attention, c'est pas les profonds. Récupéré, attention, il y a du monde dans l'axe, attention, il y a du monde dans l'axe. Oh, l'arrêt de Mathieu Péan, parfait. Attention, parce qu'on peut encore se mettre en position, il n'y a pas de pénalité. Non, il n'y a pas de pénalité, pourtant il n'a pas fait le voyage pour rien, Franklin. Allez, le voilà qui récupère la rondelle. Il est déjà placé défensivement du côté finlandais. On se replace vite, hein, côté finlandais, on va chercher le porteur du palais. Et devant c'est pareil, hein. On essaye tout de suite de voir s'il y a une passe ou si on fait un tir. Beaucoup d'actions finissent par un tir hein, du côté finlandais, un peu moins du côté grenoblois, mais on va relancer la machine avec il n'a pas pu la donner avant contact malheureusement. Allez, attention, voilà, coupé la passe, Péan, ça pour lui c'est plutôt facile encore hein. Narré pour le gardien grenoblois, joué sur la droite, voilà qui est fait, malheureusement ça passe pas, c'est dommage, c'était bien vu, et on vient tout de suite fermer la porte à l'offensive finlandaise. Allez, dans la crosse de Julien Pelletier qui rend cette rondelle, allez bonhomme, voilà Franklin, Trommer sur sa droite, Franklin, va falloir arrêter de faire des pulls messieurs, va falloir mettre des palets à la cage. Parce que les Finlandais, eux, dès qu'ils sont dans la zone, bah, s'ils n'ont pas d'idée, ils mettent à la cage. Alors bon, ça fait gonfler les statistiques de façon un peu artificielle, j'en conviens. Mais on n'a pas besoin d'écharpe pour l'hiver, là. Donc le tricot, on peut reporter ça plus tard. Il faut mettre à la cage, les garçons, il faut mettre ce putain de palais à la cage. Il faut lui mettre la pression à ce gardien de but. Allez, voilà, ce palais est gagné. Adrien Franklin. Franklin qui... On peut enfermer les Grenoblois qui se replacent. Attention, là on est passé le deuxième poteau le long de la ligne pour les Finlandais. Et le revers. Attention, c'est compliqué là. Allez les petits, on se place. Bel arrêt de Péan. Vous avez vu ce palais, il a l'air de rien. Mais c'est un palais qui met la défense et le gardien en difficulté. Ce sont ce genre de tentatives que les Grenoblois ne doivent pas s'empêcher de prendre. N'oubliez pas comment on marque les Finlandais hier en overtime. Hein. Un palais anecdotique sur le gardien qui offre un rebond. Et c'est la victoire. Allez les garçons, on y est, on va y arriver. J'en suis sûr, j'annonce un but de Cronier. Voilà, comme ça c'est fait. Et dans la bonne cage, hein, évidemment. Tant qu'à faire. Attention à l'interception, la lecture dépasse et Grenoble qui se met en difficulté un petit peu là dans ses sorties de zone. Alors, allez, on a récupéré, il faut aller au bout, il faut se présenter devant la cage, pourquoi pas, là c'était bien joué, Merle qui l'aura avant que ça sorte, et encore voilà, un tir de on Merle. Met à la cage, ça c'est bien, Cronier allez. Le premier sur cette rondelle, Cronier, mon Juju, mets à la cage, mon Juju, il y a du monde, il y a du trafic, il y a un petit peu tardé malheureusement, Franklin s'est récupéré par les Finlandais, il reste 50 secondes, on est en temps intégral, Franklin encore. Là, il y a là. Il était pas le gardien, putain, il était pas. Merle qui va aller bon, le récupérer. Allez, bon, au deuxième poteau peut-être. Ah allez, on bien se replace parce qu'ils sont 5 hein, sur la contre-attaque. Les Finlandais, ils attaquent à 5. Parfait, mais Merle, le retour parfait donné à Cronier peut-être. C'est ce qu'on a essayé de faire. Les Grenoblois qui ont une belle phase, mais qui sont tout de suite hein, rappelés à l'ordre par ces Finlandais qui vraiment très très vite. On va arriver à finir dans les 20 dernières secondes pour les Grenoblois ou est-ce qu'on va aller en double prolongation? Allez, Merle, il y a encore le temps. Ah, malheureusement, on va avoir un face-off. C'est pas plus mal. On va avoir un face-off, 18 secondes à faire, si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça, maintenant on gagne et Pelletier qui va nous chercher son but. Voulez, hein. même Mathieu Péan s'il veut marquer, moi je suis pas contre. Allez mon Juju, voilà qui récupère un palais, Pelletier qui est allé au défi physique. 3 secondes, attention, pas de
C'est la pause dans l'overtime. Écoutez, 3 shoots en overtime contre 9. Non, contre 7, pardon. Alors, on a toujours cette sensation hein, de danger dès que les Finlandais passent la ligne bleue. Et Grenoble qui, surtout là, ne doivent pas prendre de pénalité, hein, ça c'est une certitude. Il faut prendre des tirs. Je risque de passer pour un emmerdeur, mais il faut prendre des tirs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, on a une tendance, et je le comprends, à vouloir chercher la décalage. Il faut mettre des palets à la cage. Il faut mettre des palets à la cage parce qu'on n'est pas à l'abri que le gardien se pète. Et à force de prendre des shoots, Péan, il va forcément finir par prendre un mauvais but, malheureusement. Le pauvre garçon, il faut mettre ce putain de palet à la cage. Il faut le mettre sous pression. Ce gardien finlandais qui est pour moi je vais le dire poliment, le moins talentueux des 6. Je ne pouvais pas le dire plus poliment. Non, effectivement. Mais qu'on ne sollicite pas assez, hein. On ne sollicite pas assez ce garçon. 5 tirs, ça fait pas beaucoup sur un match entier. On va rechercher derrière, c'était bien fait, mais les Finlandais, là, il est 1 contre 4, là, il faut le serrer. Voilà qui est fait récupérer. Malheureusement, la passe en retrait. Quel arrêt de Péan là sur cette sortie de zone hasardeuse, je crois que c'était de Tom Cronier. Il a sauvé la maison. Ouais. Sauvé la maison, Mathieu Péan. Incroyable intervention du gardien. Grenoblois, face-off pris par les Grenoblois. Raphaël Merle, côté gauche, Franklin maintenant. Dans un match. Même si dans les statistiques, hein, Grenoble est derrière, qui est somme toute équilibré hein, par rapport Bon, y a quand même une occupation territoriale deux fois plus importante pour les Finlandais que pour les Grenoblois, certes. Ceci explique cela au registre des lancers. Allez mon Tom. Allez. Oh putain. Le double tir Grenoblois, deux sorties, deux fois sorties. Quel double arrêt incroyable. Le gardien. Là pour le coup, il m'a fait fermer ma bouche. C'est bien. C'est bien, j'aime bien, moi je suis client de ce genre de choses. Mais vous voyez, on l'a quand même, un palais qui paraissait banal, on l'a quand même foutu en difficulté. Il s'en sort avec un très très bel arrêt, le gardien. Moi je prenais ça. Hein. Au Togo, le tout pourri. Dire, ah ouais, non, mais au Togo, le tout pourri du vendeur de hot dog, je prends, hein, y a aucun problème. Même s'il y a une taupe sur la glace, on s'en fiche. Du côté, tant qu'elle est du bon côté de la patinoire. Allez mon Tromi, sors-moi ce face-off mon bonhomme, voilà qui est fait, mon dieu de bordel. Je vais finir par devoir dire des gros mots, je suis désolé, je me suis tenu jusqu'à présent, mais j'ai une nature à gros mots assez considérable, et là j'ai du mal à garder mon calme. Bon, allez les bonhommes. Les ultras ne sont pas dans la même pièce que toi, ça... Oui, tout à fait, les ultras dorment. Allez mon Raph. Il ne faut pas aller un peu là, la défense, mais on est bien revenu, grosse mise en échec. Franklin, ouais, Juju Pelletier qui appelle, mais qui n'est pas servi. Pelletier à nouveau, qui va mettre au fond, ouais, voilà qui est fait. Allez, on va pressing, et on va plutôt se replacer du côté des joueurs de Grenoble. Allez, on met ça dans le bon sens. Du coup, on est où là, quel arrêt de Mathieu Péan. Arrêt de Mathieu Péan. Oh là, incroyable, c'est l'arrêt du match les amis, je n'ai pas eu l'occasion de voir un arrêt de cette qualité à ce niveau et dans un moment aussi capital. Mathieu Péan, il vient de marquer, tu l'as dit hier, hein, il vient de marquer un but Mathieu Péan, malheureusement c'est pas aussi concret que ça, mais intervention brillante de Raphaël Merle en défensive. Allez, il faut se ressaisir défensivement parce que Péan il va pas pouvoir faire des miracles non plus là. Tous les matins, et maintenant il faut aller porter le danger sur la cage adverse. Pour l'instant, les Grenoblois qui sont un petit peu dans le dur là, hein, depuis 2 minutes. Mm. Allez, ces passes elles sont un petit peu téléphonées le long de la balustrade. Les Finlandais qui ont bien compris le principe, oui, certainement. Ouais, belle défensive de Merle et de Cronier. Attention, Trommer maintenant, Pelletier n'arrive vraiment pas à rentrer dans la. Il est à deux doigts de l'intercepter, le nom de Dieu. Allez, faut le bloquer, faut la bloquer. Péan, le palais vivant, le palais qui vit toujours mais qui est récupéré par les Grenoblois. J'ai eu une goutte de sueur d'un litre qui m'a traversé le dos, mais le palais est finalement maîtrisé par les Grenoblois et il reste 4 minutes et 29 secondes dans ce deuxième overtime.
Alors, on l'a pas dit en début de retransmission, mais peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est le premier match de playoff pour le défenseur gauche grenoblois qui s'en sort remarquablement bien. Oui, pour oui, c'est son premier match, tout à fait. C'est même son premier deuxième overtime tout court. Allez, Trommer, qui... pardon. Allez, on peut la voir, celle-là. Oui, c'est Trommer. Dommage. C'était peut-être Nerl, mais bon, pas grave. C'est peut-être envoyé au fond. Allez, face-off Trommer. C'est sauce perdue par les Grenoblois. Attention au deuxième poteau. On s'était libéré de son marquage. L'attaquant finlandais qui est servi maintenant le palais. Le deuxième à la gauche. Voilà, un palais à la cage. Putain de palais à la cage, tout pourri, merdique. Mais voilà, c'est but. Grenoble est dos au mur. Grenoble est mené 3-0 dans sa série. Et bah là maintenant les amis, 28 tirs à 10, 12 minutes à 5, il n'y a aucun débat, voilà. Pas de discussion, les Finlandais méritent cette victoire parce que eh bien, ils ont eu comment dire, il est pas loin Péon encore. Ah il est vraiment pas loin, qu'est-ce que tu veux que je te dise. 28ème lancé à un moment donné c'est vrai que c'est peut-être qu'il y a un petit hors-jeu mais. S'il y avait eu hors-jeu, c'est un problème informatique, il aurait été sifflé. Voilà. Un truc con, un palais à la cage. Et le joueur n'attendait que ça. Voilà. Allez, il faut maintenant, du coup, s'imposer obligatoirement dans ce dernier match de la soirée. Pour que ce ne soit pas le dernier match de la saison pour les Grenoblois. Deux fois, hein, deux défaites en overtime sur le même score, je l'ai dit, 3-2. Compliqué ce 16e de finale. Pour des Grenoblois, on a déjà trois équipes hein, qui sont passées à la trapounette ouais. Dans cette compétition. Ouais, 28 tirs à 10, ça pique au cul quand même. Hein. Surtout avec deux overtime presque complets. C'est quand même une statistique assez ça affolante. Ça fait une moyenne de 2 tirs par tiers, ça fait pas beaucoup. Non. À l'inverse, les Finlandais, enfin, je me répète, hein, mais c'est... Il n'y a pas de secret, hein. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est frustrant, c'est vrai qu'on est toujours tenté, je le comprends complètement, d'aller chercher la certitude. Pourquoi on cherche la bonne passe, le bon tempo pour se mettre dans les meilleures conditions, d'avoir un but garanti ou proche de l'être. Mais tout ça, ce n'est pas une science exacte et il faut comprendre qu'un gardien, voyez le but que Matt vient de prendre, voyez celui qui prend hier. C'est un shoot anecdotique à la cage qui va taper la jambière, qui revient dans la crosse du coéquipier. Et ben, on en a pris deux en overtime comme ça et on perd. Et a priori, c'est pas des choses compliquées. Donc, je sais que j'ai l'air malin à dire la messe avec mes grandes phrases, mais c'est facile le hockey. C'est facile le hockey quand c'est joué avec calme et lucidité. Et les Finlandais ne se sont pas posés de questions. Ils ont mis à la cage, ils ont fait que ça pendant tout le match. C'est rageant. Mais bon, c'est comme ça. C'est effectivement, c'est rageant. Maintenant, les Grenoblois qui ont montré du mieux hein, dans ce troisième match. Et ben, il faut continuer à montrer du mieux parce qu'on n'a plus le choix du côté des BDL. Il faut s'imposer, peu importe le score, peu importe la manière. Allez les garçons. Alors, parce que j'ai un... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Hop. Ah, alors attendez, hop, je quitte le partage. Ah, tout le monde relance le jeu, peut-être pour essayer de se mettre la technique dans la poche. Ils ont eu plus d'occasions de mettre à la cage. Alors, je te l'accorde, Snipe, mais le destin, ça se provoque. Si l'adversaire a passé plus de temps en zone offensive,
Alors, c'est qu'ils s'en sont donné les moyens, c'est qu'ils sont meilleurs, c'est ce que vous voulez. Mais à un moment donné, si, en plus, c'est paradoxal parce que je te donne raison, Snipe. Mais si tu as plus, si tu as moins de temps en zone offensive, il faut capitaliser sur les quelques occasions que tu vas avoir. Et ça, encore une fois, je vais essayer de sortir de mon rôle de commentateur. Enfin, de toute façon, vous avez bien compris que j'ai une vision partielle des choses. La moitié de ces mecs-là, j'ai joué avec eux. Ce sont des amis, ce sont des copains. Certains sont des amis. À un moment donné, si tu as moins de chances de marquer, il faut que tu provoques les choses. Il faut que tu provoques le destin. Et sincèrement, on sait que ces garçons sont techniquement très forts. On sait, mais ce soir, ils tombent sur meilleurs qu'eux. Ils tombent sur des mecs qui les comprennent, qui les prennent. Adrien Franklin, il a tenté son débordement gauche-droite 4 fois. L'autre, il a compris. Il n'est plus passé une seule fois. Donc, il faut mettre à la cage. Je veux pas passer pour l'emmerdeur public, mais il n'y a pas de secret. Si vous mettez pas, tant que le palais est dans votre crosse, il a aucune chance d'être derrière la ligne du gardien adverse. Aucune. Et les Finlandais, là-dessus, alors si vous allez me dire, ouais, ils prennent 28 tirs, la moitié qui ne servent à rien. Ok. Sauf que dans le même temps, ils fatiguent Péan. Ils fatiguent le gardien parce que Péan, il a eu 27, 25 arrêts à faire ce soir. Et des difficiles. Et ça, il n'y a pas de secret. En deuxième overtime, le gardien, il a le droit d'être fatigué, il a le droit d'avoir une demi-seconde d'inattention, comme sa défense d'ailleurs, comme sa défense. Mais ça marche dans les deux sens, les amis. C'est ça qu'il faut voir. À un moment donné, les gars, il faut mettre ce putain de palais à la cage. Vraiment. Et je serais désespéré, je serais triste à en mourir qu'on revive un scénario comparable avec... vouloir dribbler un mec en dribbler 2, en dribbler 3, dribbler le mec qui fait la patinoire, aller dribbler la vendeuse de hot dog, et puis le speaker, et puis après, ah bah tiens, je vais tirer. Non, 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 ça marche pas comme ça. Alors maintenant, on s'en fout, garbage goal, ça rentre beaucoup plus, et ouais, mais c'est une vérité malheureusement, c'est une vérité. Alors, reconcentre-nous, mettons-nous du plomb dans la cervelle, allons-y avec les... attributs masculins, voilà, j'ai cherché une façon de rester courtois et je ne fais offense à personne en disant ça. Allons-y avec énormément de courage, mais donnons-nous les chances de ne pas quitter cette série au terme de ce match sur un 4-0 qui serait pas mérité au vu de la saison des Grenoblois, pas mérité pour le match que vient de faire encore une fois Mathieu Péan et d'ailleurs tous les garçons, parce qu'ils ne déméritent pas. Il faut avoir un sacré paquet de nerfs pour tenir nerveusement pendant un deuxième overtime, mais il faut se donner toutes les chances, les gars. Allez, on y va, monsieur Jean-Sébastien Guiguet, j'ai bien assez parlé. non, mais t'as complètement raison, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Perdre 4-0 sur un 16e, c'est hyper frustrant, d'autant que tu t'inclinerais éventuellement sur deux prolongations et puis un poteau. Donc maintenant, il n'y a plus à tortiller, hein, il n'y a plus à prendre de virage. Faut aller, la route la plus courte, c'est celle qui va tout droit. Il faut aller au but, faut tirer. Le but finlandais, bah, Péan, il fait le job, hein, il dévide la botte. Malheureusement, c'est un Finlandais qui est là. Donc si on tire, à un moment, ça va aussi se produire. Forcément, et puis, enfin, plus on tire, plus on les laisse chez eux aussi. Eh oui, bien sûr. Alors que l'on informe que les Tours en jouent, alors peut-être que l'info est obsolète désormais, mais les joueurs de Tours seraient devant dans leur quatrième match, à l'approche de ce qui semble être la troisième période. On va regarder ça tout de suite. Ouais, les Tours en jouent mènent 2-1. Ouais. Et ils sont en avantage numérique. Il reste donc une période pour les Tourangeaux pour espérer revenir. Allez, Grenoble. Allez, les petits loups. Marquer les premiers pour une fois dans un des matchs, ce serait la bonne idée. Absolument. Première, rien du tout parce qu'il y a un hors-jeu. Mais voilà, ne pas prendre de but dans les deux premières minutes et si possible, marquer les premiers. Voir aussi un peu ce que les Finlandais ont dans le ventre quand ils sont menés parce qu'ils ne l'ont pas encore été. Exactement. Et ça, c'est aussi une donnée... intéressante, une donnée primordiale même, parce qu'on ne les a pas encore vus sous pression, ces joueurs de Whoopi Passy, qui, je vous le traduis, veut dire passe lobé. C'est une façon bien originale que de nommer son équipe. Allez, voilà la première intervention de Péan, voilà Cronier maintenant, et qui temporise, qui cherche de lancer, voilà, gros lancer de Maximilien Trommer, c'était très bien joué ça les garçons. Ici, il a dû vibrer aux oreilles du gardien de but.
Allez, continuez, allez, coupez, parce que... Parfaite défensive, évidemment. Les Grenoblois, impeccable les garçons. Les Cronier, oui, voilà, à Emerle. Pardon. Cherche une passe à 2 mètres du gardien. Allez, c'est le misclic, c'est Grenoble qui doit continuer à poser, à pas prendre ce but, et Péan qui va mettre un terme à cette première opportunité finlandaise. Alors qu'est-ce que l'ECL me demande d'Arclash? L'ECL, c'est l'European Championship League, qui est une compétition continentale, donc européenne, organisée par le site nhlgamer.com, auquel participe l'équipe donc des Brûleurs de Loup de Grenoble, mais aussi des Remparts de Tours, et on est donc dans les playoffs de cette European Championship League. Attention. Oh là 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 là. Ah ça, on peut pas lui enlever, mais il l'a souvent fait, hein, ce geste. Cet attaquant, il récupère le palais, il fait une espèce de petite feinte de frappe qui fait bouger le gardien, et derrière, eh ben, il le met dans l'autre sens du but. Grenoble qui se retrouve une nouvelle fois mené après 6 minutes et 15 secondes dans ce quatrième match. Allez les garçons, voilà Cronier qui transmet pour Trommer. Allez, on récupère. Merle, voilà, comme souvent, le départ des palais de la zone défensive, elle passe par Merle. Grenoble, j'ai l'air de... Ça. Bien joué, bel arrêt là de Péan. Arrêt a priori facile, mais enfin, il fallait quand même le faire. Trommer, allez, dans l'intervalle, il n'a pas pu servir Raphaël Merle. Merle. Prise à deux. Ils prennent vraiment des risques en défense les Finlandais, mais jusqu'à présent ça a l'air de payer pour eux. Enfin, ça a pas que l'air d'ailleurs. Allez, mon Tom. Attention. En jeu, là, il me semble, oui. Comment les joueurs sélectionnent l'équipe à choisir? Précisez votre question, cher ami, s'il vous plaît. Maximilien Trommer au face-off. C'est concédé. C'est dans le deuxième temps. Récupéré. Ah, il y a une faute. Alors, quand on parle d'un joueur grenoblois qui s'appelle Merle, on est obligé de se poser la question, mais il n'y a pas de lien de familial d'ailleurs. Avec Olivier Merle, le rugbyman? Oui. Ah, pas du tout. Absolument pas. Bah, pas à ma connaissance en tout cas. Attendez, parce que je vais ouvrir la petite vasistas de la cabine de commentateur, parce que là, je suis en train de cuire. Déjà que je pense que je suis à 8000 de tension. Grenoble en infériorité qui va récupérer le face-off. On va gagner un peu de temps en étant derrière la cage et on va réussir à sortir le palais de la zone défensive. Grenoble qui se met dans une situation difficile, hein, en étant mené 1-0 dans ce quatrième match et mené 3 matchs à 0 aussi. On court après le palais, bien fermé à la porte pour éviter le tir et le... Un palais là. Le tir et le but 2-0. Et ben on aura eu 4 matchs, 4 fois 2-0. À Grenoble qui là pour le coup plus au pied du mur, je crois que c'est pas possible. Allez, Grenoble qui va remporter quand même la mise en jeu et Cronier qui va continuer à aller de l'avant. Allez, mon Tom, allez, mon Tom. Trommer qui lance, bel arrêt du gardien. Attention, c'est pas les derrière. Allez, Grenoblois qui n'arrive pas à se sortir de leur zone défensive malgré la fin de pénalité pour le coup. Belle défense. Esselé Cronier qui va perdre le palais, c'est la contre-attaque finlandaise, il faut bien fermer, voilà, comme ça il ne peut pas aller jusqu'au bout même s'il se remet en position de tir. Grenoble, encore une fois, les pires difficultés, hein, pour les Grenoblois pour s'imposer dans la zone adverse. Allez Pelletier, ne te jette pas mon pote. Franklin, allez petit. Allez, défense. Allez, vous voyez, enfin, là aussi on manque de vitesse. C'est... Oh, le...
Il décolle, hein. Le but décolle, on fixe, on donne. Et ben ça fait 3. Ça fait 3. Alors les questions, on va changer les idées. Dark Clash, les joueurs e-sport qui sont pour Grenoble sont français. Oui. Ils sont obligés de prendre Grenoble. Non. Un collectif e-sport qui s'appelle Illusion à la base. Les joueurs que vous avez sous les yeux, ce sont des joueurs d'Illusion. Ont passé des accords officiels avec le club professionnel de Ligue Magnus des Brûleurs de Loup de Grenoble. Le club des Brûleurs de Loup de Grenoble a accepté de permettre donc à Illusion d'utiliser leur équipe, leur nom, leur logo, et puis bah, surtout le fait que leur maillot soit présent sur le jeu. La même chose avec les Remparts de Tours pour l'équipe des Hawks. Et chaque joueur que vous voyez en maillot bleu a signé un contrat d'engagement avec Grenoble. Et donc ils sont les joueurs de Grenoble, ils sont les joueurs e-sport de Grenoble. Qui vivent leur ECL. Alors là, sont en grave danger de mort. Il faut bien dire les choses. Mais j'espère avoir répondu avec le plus de justesse à votre question, cher Dark Clash. Mais alors, ce sont des Français, mais ça pourrait très bien être des joueurs d'une autre nation. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas un Grenoblois vivant à Grenoble dans cette équipe. Donc ça, c'est le fruit du hasard. Le plus proche, c'est Merle, l'arrière droit, qui est de Lyon. Mais donc, ce sont des joueurs e-sport, des joueurs de compétition qui ont signé un accord tout simplement avec l'équipe de Grenoble, comme ça se fait d'ailleurs dans le sport, dans le football. Hein, il y a l'Olympique de Marseille e-sport existe, le FC Nantes existe et j'en passe. Enfin voilà. L'USAP, hein, je suis obligé de le citer. L'USAP, voilà, l'USAP existe en sport en foot, oui. Non. Le rugby, l'USAP. Mais il y a pas de jeu de rugby. Non, mais justement, ils font, par exemple, ils jouent à LOL, ils jouent, voilà, ils font. Ah oui, d'accord, très bien. Les gagnants gagnent quoi? Les gagnants en élite gagnent de l'argent. Dans la division qui est celle des Grenoblois, ils ne gagnent pas d'argent, ils gagnent de la reconnaissance, ils gagnent de la notoriété, ils gagnent le droit de se faire recruter par des équipes éventuellement. Et puis surtout, si tu gagnes le championnat que tu as sous les yeux, bah, tu vas monter dans la division pro, où là, ça commence à devenir vraiment sérieux, et puis bah, peut-être un jour dans la division élite. Donc voilà, les Tourangeaux se sont imposés et reviennent à égalité dans la série de partout contre DuckTales, alors que Grenoble, même score dans le match que dans la série. Oh là là. On a failli. Même score dans le match que dans la série, disais-je, 3-0. Et attention, parce que les Finlandais n'ont pas envie de s'arrêter là. Offensivement, on le sent, continue, hein, sur le même rythme. Et Grenoble qui a. Se perd un petit peu là, elle est peut-être l'opportunité d'aller réduire le score. Voilà, voilà mon Adri. Les Grenoblois reviennent dans ce match. Ça fait du bien. Alors il y a plusieurs divisions, le Dark Clash, il y a 4 divisions, l'élite, le pro, le light et le néo. Et les joueurs que tu as sous les yeux sont dans la 3ème division, la division light. Allez, les Grenoblois ont fait quelque chose d'important en revenant dans ce match relativement précocement. Après avoir été mené 3-0, j'en sais, les joueurs de Grenoble reviennent et réduisent la marque. Ouais, on a réduit le score, il faut continuer sur cette lancée, pourquoi pas, avec l'opportunité. Ah, dommage, on n'a pas pu se ressaisir dans le deuxième temps du palais. La bonne défense de Pelletier qui annihile l'offensive finlandaise. Allez, sur le temps qui reste, hein, Grenoble qui peut encore retourner la situation. On le sait, il faut aller sur l'homme là en défense, récupérer le palais et derrière se projeter. Grenoble qui pour l'instant fait le dos rond parce qu'on est dans leur zone défensive. Allez, belle temporisation. Bon bah écoutez, on avait fait de la diff, on l'a fait plus. On n'y est pas défensivement, c'est la grande force grenobloise habituellement. Mathieu Péan ne peut pas être miraculeux tout le temps. On n'est pas en place défensivement, offensivement on est beaucoup trop hésitant malheureusement. Il va falloir un miracle pour que les joueurs de Grenoble se sortent de cette impasse. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un petit peu difficile ce score, 4 buts à 1, avec peut-être voilà. Là, bon lancer. Laisser. Il n'y aura pas de rebond, mais il y aura un face-off en zone offensive. Pourquoi il n'y a pas toutes les équipes de la Ligue Magnus? Bah, parce que le phénomène se lance là, donc ça viendra peut-être. Ouais.
Allez, face-off, Trommer, faut sortir ce puck, mon pote. Voilà, le lancer. Allez, à la cage, ça fait pas de mal. Et c'est utile. Merle, Pelletier à nouveau, Trommer, la passe sort pour Cronier, c'était très bien joué. Celle-là, pour le coup, il fallait la faire. Il a bien donné. Retour défensif brillant de Merle. Allez, Merle qui donne la rondelle maintenant à Pelletier, qui envoie au fond Julien Pelletier. Le Grenoblois qui se montre plus entreprenant offensivement, mais qui doit faire attention. C'est bien joué là du côté des Finlandais. Le Cronier qui va accélérer, qui va se mettre devant la cage. Voilà. Attention, le 1 contre 1. Allez, Raph. Allez, ouais, Manuel. Le deuxième, t'as pas de chance. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Le but qui résume un petit peu hein, cette confrontation. C'est rageant. Il faut y aller pour l'honneur, exactement. Et on a pensé tous les deux à la même chose au même moment. Maintenant, il faut relever la tête. Il faut penser à l'honneur. Il faut penser au maillot et aux couleurs que l'on porte. Et il faut sortir. Si on doit sortir par 4-0, c'est rarement par la grande porte. Mais enfin, il faut quand même tout faire pour sortir la tête haute en livrant la bataille qui est en train de. D'être livré, il faut aller au bout des choses. Ouais, c'est dommage, la passe était bonne, mais. Attention, parce que les Finlandais qui se baladent un petit peu, hein, on essaie de relancer rapidement par le gardien grenoblois pour. Franklin avec de la vitesse. Et allez, Franklin, oui. Voilà mon garçon, ça c'est bien. Il avait du gaz, il a accéléré. Et il ramène Grenoble dans la course avec ce deuxième but. Ça fait 5-2. 5-2. Allez, on va y croire jusqu'au bout de toute façon. La machine peut s'emballer, hein. On va se dire que le troisième but grenoblois dans la fin de ce tiers ou dans le tout début du suivant pourrait... complètement relancer le match. Une minute 20 encore à jouer dans ce deuxième tiers. Les Grenoblois vont malheureusement perdre la mise en jeu. Oh là là, c'est bien joué, hein. C'est bien joué ce mouvement. Et un petit hors-jeu bien sympathique. Allez, les Grenoblois qui doivent continuer à aller de l'avant. Ça passe par Trommer et les FSF. Pelletier, vous avez compris au son de ma voix que je suis quand même 6 pieds sous terre. Je vais essayer de finir ça avec moi aussi avec dignité, parce que finalement les gens qui nous écoutent méritent qu'on reste à leur pas à leur service mais à leur disposition. On va essayer de finir ça proprement. 15 tirs à 6. J'ai pas vu là malheureusement la stat suivante. Qui compte 6-0-5 à 2-18, évidemment, ça fait beaucoup. Je pense que tu devrais donner tes coordonnées à Dark Clash ou le Facebook, peut-être. Il a plein de questions, ce jeune homme. J'ai vu. Bah écoute, il y a une page Facebook, hein, eSport Hockey France, qui peut donner déjà quelques infos. Combien de s'entraînent les joueurs de temps par jour? Pendant le confinement, énormément. au moins deux heures par jour, minimum. Allez, Cronier qui prend un lancer, suit ton shoot. Ça, c'est un vieil adage aussi que l'on entendait. Allez, 20 minutes virtuelles pour les Grenoblois pour revenir petit à petit au score, pour ne pas sortir de cette compétition qui a. Se sont donné beaucoup de mal. Il est dessus, c'est triste, c'est rageant. C'est compliqué, c'est on a l'impression que chaque fois qu'ils marquent quand même. Dès qu'ils ont envie de marquer, on a l'impression qu'ils y arrivent. Ah là là. Ouais.
Bon, bah écoutez. Allez, mon petit. Ah, il y aura un. Il a fait la faute juste avant la ligne. Et il n'y aura pas de tir de pénalité, malheureusement. Allez, Maximilien Trommer au face-off. Les Grenoblois sont dans ce qui semble être les 20 dernières minutes de leur championnat ECL. Mais sait-on jamais, voilà, Spalet qui est mis à la cage, bel arrêt du gardien de but. Compliqué hein, cette double confrontation là, parce qu'on aura eu deux matchs en prolongation et deux matchs où les Grenoblois auront un petit peu bu la tasse. Surprenant. Allez, Grenoble qui peut encore hein, réduire à minimum le score, 18 minutes. Grenoble qui ont les atouts pour hein, individuellement et collectivement, mais qui aujourd'hui tombe sur une équipe qui les bouscule et même un petit peu plus que ça. Tour de cage pour Trommer qui met sur Pelletier. Oui. La passe pour Merle, lancé en bas de la cage. Va pouvoir là peut-être jouer un bon coup. 3 contre 2 là, fixé, donné ou tiré. C'est pas loin. Le troisième pour les Grenoblois, il est pas loin. Allez, en timing encore. Il y a une pénalité appelée, oui, effectivement. Et. Et pourquoi pas, après tout. Et pourquoi pas. 16 minutes à faire, 4 buts de retard et un avantage numérique. Et bien pourquoi pas, les amis. Pourquoi on n'écrirait pas une page extraordinaire du sport grenoblois ce soir, maintenant, en revenant au forceps, à la hargne et au courage. Palais de Cronier sur la cage, mais le gardien de but qui repousse cette tentative. Allez, 15 minutes. Grenoblois qui tente, hein, on ne peut pas leur enlever ça. Ils tentent, ils vont devant. Ils essayent de trouver des solutions. Ils ne lâchent rien. Pour l'instant, ça ne sourit pas. Et là, peut-être avec Merle sur son côté droit. Il va s'infiltrer entre les deux. On va fixer. Oh, le bon lancer de Pelletier, c'est dommage. Allez, c'est pas fini, les petits. C'est pas encore terminé. Tant que le coup de sifflet n'a pas été sifflé, il faut continuer d'y croire. Il faut continuer d'avancer, même si c'est dur, évidemment. Trommer dépossédé de la rondelle. Allez, restez côté. Voilà, côté défensif pour pouvoir se projeter avec Franklin. Ça, il y arrive. Ouais, oh, c'est dommage, il avait fait un beau mouvement. Là, le joueur de Grenoble, mais malheureusement, il n'a pas pu amener son palais dans ce geste. Et Cronier qui bataille pour récupérer ce palais, malheureusement, qui le perd à nouveau. Oh, attention, ouais, belle défensive là de Merle. On est dans les 10 dernières minutes du match. Malheureusement, ça commence à devenir concret. Allez, encore. Compliqué hein, mentalement aussi, c'est fin de match. Là, Mathieu Péan qui relâche tout de suite la rondelle, effectivement. Franklin, Trommer, il a du champ. Allez, Max. Oh, c'est bien joué, encore, dommage. Encore. C'était bien joué. Attention, parce que là, il y avait un surnombre quasiment pour les Finlandais. Et avec de grosses difficultés, on va quand même y arriver. Du côté de Grenoble, on va chercher peut-être Merle qui était monté à la place de Cronier. Cronier, du coup, en défense. Attention, le tir. Ben, Grenoble qui va s'arrêter là. Que de regrets. De voir une équipe talentueuse, expérimentée pour beaucoup d'entre eux. Que de regrets pour Mathieu Péan de voir un gardien comme lui terminer cette saison de cette manière. Quel regret pour Maximilien Trommer et Thomas Cronier qui ont tant donné pour ce projet, en s'investissant au quotidien et plus que ça encore. Quel regret pour les supporters grenoblois, pour le club de Grenoble et l'organisation des Brûleurs de Loup qui a donné toutes les chances à cette équipe de réussir. Mais pour réussir en playoff, il faut beaucoup plus que ça. Alors évidemment, on tirera les leçons quand ce sera le moment. Mais écoutez, voilà. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage parce que la
Tomber contre une équipe meilleure, ça fait complètement partie du sport. On savait que les Grenoblois auraient un magnifique double arrêt de Mathieu Péan. On savait que les brûleurs de loup auraient un terrage compliqué en raison d'un classement, délicat au terme de la saison régulière. Mais là, sortir sur un 4-0, c'est dommage. C'est dommage. On va être battu par une meilleure équipe, c'est vrai, mais... belle défense de Pelletier. Il faudra tirer les leçons de tout ça, évidemment. Il faudra tirer de tout ça les... Mais bon, c'est la déception d'abord. C'est la déception qui va dominer. Et puis après, effectivement, comme Turquie et le Salonio, il faudra faire la part des choses. Il faudra regarder ce qui s'est bien passé. Il faudra ensuite, évidemment, aussi savoir se dire ce qui n'a pas marché, parce que c'est comme ça qu'on avance, en se remettant en question, en tirant les enseignements, en ayant les bonnes analyses des choses. Et écoutez, on va déjà voir ce qu'en pensent les joueurs, puisqu'on va recevoir Thomas Cronier dans un instant. Au terme de cette minute, Grenoble qui commet une faute dans l'entrejeu. C'est sévère hein, quand même, le score de ce dernier match, je le trouve particulièrement sévère. Oui. Après on peut comprendre aussi, hein, mais j'ai l'impression que vraiment les Finlandais, dès qu'ils tirent, ils marquent, ou quasi en tout cas. Oui, mais il y a une facilité absolument déconcertante, c'est vrai, mais ça vient aussi d'une domination territoriale, ça vient de plus de vitesse, moi je reviens sur ça, hein, mais... Jusqu'à la lit, ils vont boire. Non, écoutez, de toute façon, la messe est dite. Hey, on ne retiendra pas le score, hein. Ce sera anecdotique. Non. On retiendra le 4-0 qui sera suffisamment cruel comme ça. Non, on n'est pas obligé de retenir le score, effectivement. On s'en tiendra à cette marque déjà bien triste de 4-0. C'est vrai que là, les mecs, ils te donnent quand même l'impression, dès qu'ils tirent, ils marquent. Ah oui, non, mais c'est depuis le début hein, de la compète. Là, j'ai l'impression que dès qu'ils décident de marquer, ils marquent. Ça fait beaucoup. Dur. C'est pas mérité pour le travail qui a été fait. C'est pas mérité pour Mathieu Péan. Alors, c'est certainement mérité pour l'équipe finlandaise hein, qui est pugnace, déterminée et insistante. C'est lourd. Les Grenoblois en restent là de cette ECL. Allez, un petit dernier pour la route qui fait quand même un peu de bien à la tête. C'est un moindre mal. Disons que de deux mots, je choisis le moindre, comme le dit l'adage. Mais essayons de rester sur ce but qui clôt les débats. D'une façon que l'on n'espérait évidemment pas, que l'on n'avait pas envisagé, il faut dire les choses. Mais on est triste pour Grenoble, on est triste pour les joueurs. Après la colère vient maintenant la tristesse, parce que ce sont eux les premiers qui sont le plus affectés par cet état de fait. Avant que vous nous quittiez tous, pour ceux qui ne souhaiteraient pas rester pour les interviews qui arrivent avec Maximilien Trommer et Thomas Cronier, je vais vous remercier tous infiniment qui vous nous avez suivis avec beaucoup de fidélité régulièrement au fil des soirées. Vous avez été nombreux, fidèles, toujours là. Et on a eu grand plaisir avec Jean C à vous faire vivre ces moments. Donc un grand merci pour votre fidélité, pour votre bonne humeur aussi, c'est certain. Et pour la suite, et ben la suite, ce sera du côté des remparts de Tours, puisque les Tourangeaux, ils sont à égalité de partout dans leur série. Ce sera à suivre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à partir de dimanche. Ça tombe bien, j'avais rien à faire dimanche. Je vais pouvoir m'occuper un peu et on va évidemment souhaiter le meilleur au rempart de Tours. Mais quelle déception pour les Grenoblois. La manière, c'est une chose, le score, c'en est une autre. Le score, on l'oubliera vite. La manière, on va essayer évidemment de tout faire pour l'oublier. Mais la punition est quand même particulièrement sévère. Enfin, écoutez, c'est comme ça. 24 à 13, 7-54 contre 4-41. Ouais, bon. Mise au jeu, c'est 2 sur 2 en powerplay. Le diable se cache dans les détails, j'en sais. Ouais, et aujourd'hui il s'habillait pas en Prada mais en Finlandais.
Et malheureusement, les Grenoblois qui s'arrêtent là. Ouais, il faut retenir quand même la très très belle saison des Grenoblois qui, à qui il a fallu 2-3, allez, on va dire, allez, 4-5 rencontres pour trouver. Comment on dit, j'ai perdu la notion, mais voilà, leur route, le rythme, exactement, leur rythme. Très bon match, se sont inclinés contre des équipes plus fortes, mais jamais de beaucoup et jamais sans rien lâcher. La qualification, elle est belle, parce que les Grenoblois sont vraiment allés se la gagner sur la glace, il faut le préciser. Maintenant, on va quitter la compétition avec des regrets, parce que deux matchs perdus en overtime, voire un en double overtime et l'autre avec un poteau, ça pourrait faire 2-2 ce soir, ça fait 4-0. C'est lourd. Parce que Maximilien Trommer et Thomas Cronier nous ont rejoints. Thomas Cronier. Je suis là, moi. Et t'es avec nous, le capitaine des Brûleurs de Loup. T'as passé le message à Tromi, Tom ? Tromi va arriver, ouais. D'accord. Bah, Tom, on va essayer de rester factuel avant de prendre de la hauteur. On a eu l'impression de voir ce soir un peu la même physionomie qu'hier, avec une équipe finlandaise qui réussit presque tout. Et vous qui avez été en difficulté. Qui réussit tout, oui. C'est le moment de dire. Rien qu'à. Enfin, c'est anecdotique aussi, mais rien qu'à voir le premier but qu'ils mettent de ce soir, le joueur ne tire même pas. Ça revient dans sa crosse. Pour être honnête, c'est très beau déjà d'avoir été en prolongation deux fois dans cette série. Oui. Pour certains petits détails qu'on connaît. Et du coup, frustrant. Ouais. Frustrant. Alors, il faut aussi reconnaître la supériorité de cette équipe. Whippipassi a fait une belle saison régulière. Après, on sait que sur une série de playoffs, il y a jamais, enfin en tout cas, il y a rarement de hasard. Vous êtes tombé sur une équipe qui va vite. Vous êtes tombé sur une équipe qui joue juste. Et vous êtes tombé sur une équipe qui sait marquer des buts dans les moments qui font le plus mal. En plus, j'ai l'impression. Oui. Et puis ils ont su être solides aussi en prolongation. Et à certains moments, on a eu un peu des moments pour nous. Ouais. Ils ont réussi à contrôler, comme nous, on a réussi à contrôler à certains moments. Mais au bout d'un moment, ils ont mis le but, exactement le même but qu'hier, par exemple, sur le premier match. Oui, en overtime. En overtime, rebond, et puis on peut pas récupérer derrière. Donc c'est vrai que c'est frustrant encore, je le dis. Et ils sont en place. Maximilien Trommer nous a rejoint. Merci Max d'être là dans des moments qui sont. On préférerait éteindre la télé ou aller faire autre chose que de venir répondre aux interviews. Mais donc merci d'être là, Max. Quelle lecture de cette soirée et au final de cette série? On peut dire carrément la série parce que ça a été 4 matchs chez les mêmes en fait. C'est la copie conforme de ce qui s'est passé hier soir. Et on joue une belle équipe, vous l'avez dit. Ils ont fini troisième de leur groupe, c'est pas un hasard. Après, est-ce que je dois rentrer dans les détails que tu connais ou... Si tu veux en parler, c'est toi qui parles. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que qu'on joue des matchs sur des serveurs, qu'on joue des matchs sur leur serveur, c'est normal, mais jouer les 4 matchs sur le même serveur, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Je sais pas, il y a certainement une discussion à avoir parce que je pense que les Finlandais s'en plaignent aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, quand ils venaient jouer contre nous et sur les 4 matchs, ils avaient la co de chez nous. Mais là, on joue une très bonne équipe et c'est très dur. Si en plus on se rajoute ça, honnêtement, c'est au-delà d'être, je suis même pas énervé, mais je suis tellement frustré en fait parce que j'ai l'impression qu'on a juste pas pu jouer en fait. Et ils ont encore une fois, ils méritent leur victoire. Je suis pas en train de dire qu'ils ne méritent pas leur victoire. C'est juste que j'aimerais qu'on puisse jouer à armes égales au moins deux matchs dans la série, quitte à ce que ça se finisse à 4 en 4-0, au moins qu'on puisse avoir au moins deux fois la chance de jouer sur nos serveurs. Parce que là, c'est déjà très dur de base. Je pense que même sur nos serveurs, c'est déjà une très très belle équipe et c'est déjà très dur. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens. Mais bon, ça
ça, on le connaît. La série, elle aurait pu être à l'inverse, 4 matchs sur nos serveurs, et puis on n'aurait rien dit, et puis ça serait passé comme ça. Mais bon, voilà la lecture du... Voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas mille choses à dire sur cette série. Cette histoire de connexion est une explication, mais ne peut pas être une excuse, vous le savez tous. Exactement. Maintenant, la vraie raison, la vraie problématique, c'est à la fois dans la bonne nouvelle et dans la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez rejoint les playoffs, et ça, c'est la très bonne nouvelle, mais vous avez rejoint les playoffs à un seed, un classement qui vous condamnait à jouer contre une grosse équipe dès le premier tour. Donc, vous avez rempli le contrat, mais en le remplissant, vous saviez que derrière, ça allait être difficile. Ouais, mais... Enfin, voilà, je reste persuadé, 4-0, c'est... pour moi, c'est juste impossible. Thomas ? Je partage le même avis que Tommy sur ce point. Les playoffs, là, les 4 matchs, normalement, on doit au moins en gagner un ou deux directement. Après, au niveau de la saison, on a été chercher, oui, une place qui nous amène à jouer une équipe de haut tableau, quoi. De haut tableau. J'en sais. Oui, c'est sûr que la déception, elle est présente, on la sent. Nous, on a aussi pu souligner hein, que ça se joue à pas grand-chose. Ce soir, il pourrait y avoir 2-2, hein, 2 prolongations, un poteau, enfin, compliqué. Compliqué aussi de jouer une équipe qui a, au final, un style de jeu que vous n'aviez pas rencontré de la saison. C'est peut-être ça aussi qui, à un moment, fait un peu la diff ou pas. Bah, à vrai dire, leur style de jeu, il est quand même, il ressemble quand même pas mal à celui de Bear, si on peut, qui était dans leur groupe aussi et qui a fini premier. C'est un peu le même style de jeu, mais simplement, on joue pas avec les mêmes armes, quoi. Donc c'est compliqué, il faut s'adapter. Encore une fois, c'est une très très belle équipe. Donc effectivement, si on regarde les 4 matchs, on aurait peut-être pu en prendre 2, mais si on est tout à fait honnête, c'est eux qui avaient le palais, c'est eux qui dominaient. C'était très dur de pouvoir faire quelque chose et de s'exprimer correctement. On avait quasiment pas le palais. C'était une pression, mais dès notre sortie de zone, ils étaient là. Et c'est en ça que c'est frustrant, parce qu'on peut faire tellement mieux et on sait faire tellement mieux. Mais pour moi, là, c'était juste... Enfin, moi, je me disais, mais putain, les mecs, ils sont vraiment trop forts, quoi. Est-ce qu'on peut aussi garder... Quel aurait été le meilleur moment de la saison pour toi, Tom ? Pour moi, il y a eu un bon moment au niveau de la victoire. Je crois à un moment, on a rattrapé un match où on perd de 2-0, par exemple. Revenir de 2-0 et puis gagner ce match. Après, ce qui est vraiment satisfaisant sur la saison... ce que je peux retenir aussi de la saison, c'est vraiment le départ qu'on a eu un peu compliqué, et puis de venir se qualifier pour les playoffs. Promis. Ouais, ben moi, tout simplement, les playoffs, parce que c'était notre objectif premier. Donc déjà, d'y être arrivé, c'était bien. Mais ouais, voilà, après, la saison dans l'ensemble, elle est réussie. Effectivement, on a laissé échapper 2-3 matchs qu'on aurait sûrement dû gagner, et voilà, on l'a pas fait. Mais on a une équipe qui est jeune, c'est le premier ECL tous ensemble. Dans l'ensemble plutôt satisfait, mais je reste quand même sur la frustration de ce soir. Le meilleur moment de ton ECL à toi, mon Jean-C, c'est de m'avoir rencontré, non? Ah, c'est, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je sais pas si je mets en avant l'éclair au chocolat ou la punition d'aller se coucher sans l'histoire. Ah oui. Je sais pas. Mais non, moi je kiffe et je re-regarderai le troisième tiers du dernier match de la saison régulière. Ah, il était chouette, celui-là. Ah ouais. Voilà, comme le 2-0 où vous remportez le match 3-2 en mettant 3 buts dans le troisième tiers. Non, vraiment, il y a beaucoup de belles choses. Ma plus grosse frustration sera ce poteau du premier match, parce qu'il peut changer énormément de choses. Mais vraiment, voilà, il y a beaucoup de frustration, mais
Mais dans la balance, je pense que d'ici allez, 3-4 jours, alors pour nous c'est plus simple, mais pour vous il faudra peut-être un peu plus de temps, mais c'est quand même une saison que je pense être assez positive pour oui. plein de plans sportifs et extra-sportifs. Bien sûr. Totalement. Et puisque vous avez eu la gentillesse et la courtoisie tous de me remercier, pardon, mille fois, c'est à mon tour de vous rendre ce merci, Tromi, Tom. Je t'oublierai pas, j'en sais, mais ça viendra dans un second temps, parce que je sais le temps que vous y avez passé. On en a fait pas mal ensemble, donc je peux compter facilement ouais. ça sur les doigts de. Il me faudrait une troisième main. Je ne peux que saluer votre passion, votre engagement, la hargne et la détermination que vous avez mis dans ce projet, parce que je sais combien c'est dur. Je sais aussi combien c'est dur d'être dans votre position ce soir, après ce qui s'est passé, pour les raisons qui se passent. Je connais ça et vous savez qu'on l'a vécu ensemble d'ailleurs. Donc je connais ce goût amer qui est en ce moment dans votre bouche. Toutefois, je salue votre engagement, je salue toutes les forces que vous avez lancées dans cette bataille, parce que vous avez ouvert une brèche, vous avez ouvert quelque chose en ouvrant des discussions avec le club de Grenoble. Vous avez permis quelque chose de nouveau qu'on pensait complètement impossible il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est devenu possible, et ça a permis au club des Hawks de mettre le pied dans la porte et de s'engager avec le club de Tours, et on en est tous ravis, et on est absolument ravis de savoir que les Tourangeaux ce soir ont égalisé dans la série à 2-2. C'est une formidable nouvelle, mais moi le meilleur moment de mon OCL, c'est que ce soit arrivé tout ça. Voilà, je suis infiniment fier d'être un peu le coordinateur de tout ça et d'avoir qu'on a des résultats. Alors, bon, c'est vrai que ce soir, la tartine est tombée côté confiture, malheureusement. Mais ça, on l'oubliera vite. Alors, ça va prendre un peu plus de temps, certainement pour vous que pour moi, mais on l'oubliera vite et on se reconstruira sur un projet dans le futur. Je vous remercie infiniment d'avoir rendu ça possible. Une fois encore, un grand hommage à Monsieur Rebaud et à l'ensemble du club des Brûleurs de Loups qui ont permis tout ça. Mais c'était et je vous demanderai de retransmettre à vos coéquipiers, dont certains certainement nous écoutent. Merci aux Grenoblois, au BDL eSport d'avoir mis autant de passion dans votre engagement, messieurs. On a vécu, et c'est vrai que ce match de dimanche soir était particulièrement autant couleur, et c'était un grand plaisir d'être avec vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et puis en plus, j'ai plus besoin de me couper en deux maintenant, d'un certain point de vue. Je oui. vous avoue que vous m'avez un peu rendu service, ouais. mais bon, je m'en serais bien passé, je vous le cache pas. Et pour mon Jancé, alors un tout petit plus pour Tom, parce qu'en plus de ça, il a la charge de mettre tout ça en image. Et quand on connaît mes compétences sur ces choses-là, c'était heureusement que c'est lui qui s'en est occupé. Donc un grand merci, Thomas, parce que ça t'a pris du temps, ça t'a pris de la réflexion, et t'as toujours été disponible pour les coups de main, et je t'en remercie infiniment. Et pour mon Jancé, bah écoute, je suis le plus jeune des deux, donc je serai obligé de te payer à boire quand on va se voir. Est-ce que t'es sûr de ça ? Oh, j'en suis quasiment sûr, oui. Ah, merde. Ça va, tu viens de gagner une tournée à la table ronde. Ouais, non, mais écoute, moi, ça sera avec plaisir si vos pas vous mènent sur Grenoble. Vous êtes mes... Oh, bah, on ira, c'est sûr. On ira. Certitude. Voilà, messieurs, soyez tout de même fiers d'essayer de vous débarrasser de cette frustration à tous les échelons, y compris pour les causes ou les conséquences de cette défaite, les causes surtout, mais et gardez en tête ce qui s'est bien passé, et en général, c'est comme ça qu'on avance. Yes. Tout à fait. Je vous félicite. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir commenté sur toute cette saison régulière et ces playoffs, et on se refait ça bientôt. Oui. Bah écoute, ouais, hein, j'ai envie de dire à la prochaine. À la prochaine. Merci. Exactement. Thomas Cronier, merci. Ouais. Maximilien Trommer, les joueurs des BDL eSport qui arrêtent leur saison en SCL 10 ce soir au terme d'une défaite en playoff. 4 victoires, 4 défaites, enfin peu importe comment on voit la chose, à 0 contre Oupipassi. Alors que les Remparts de Tours eSport ont égalisé contre DuckTales, ils seront de retour sur la scène européenne dimanche soir. Ce sera à suivre sur leur chaîne Twitch. Ne manquez pas ce rendez-vous puisque les Tourangeaux ont encore une belle chance de passer le tour suivant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous plus tard pour de prochaines aventures. C'était passionnant comme toujours et ça le sera encore. Merci, bye bye. Merci.